Donc j'avais bien vu au départ comment j'ai fait manier ma canne. Hein. Ah mais moi aussi je vois rien. C'est le but, hein, c'est de ne rien voir. Hein. C'est ça l'atelier. Hein. Avec la canne, vous devez balayer tout librement et souplement. Souplement avec la canne. Hein. Voilà, donc nous nous situons aujourd'hui à l'école des Tourterelles, dans le quartier de Kureghem à Anderlecht. Je m'appelle Karine Salens, je suis infirmière, je travaille à la commune d'Anderlecht pour le bus Info Santé, qui est un projet donc, qui existe depuis 2003. Dans ce cadre-là, nous avons mis en place des animations de sensibilisation à la personne handicapée. Donc les objectifs en fait de ces animations, c'est de pouvoir vraiment confronter l'enfant avec la différence, de faire passer cette barrière, parce que bon, la différence entraîne souvent la peur. Donc on est une personne avant d'être porteuse d'un handicap, donc l'important aussi c'est de faire connaître la personne avant de voir au départ le handicap. Bonjour et puis le J. Voilà, très bien. Je m'appelle Sylvia, j'ai 47 ans. Et j'ai fait dessiner normalement comme tous les bébés. Et puis à l'âge de 8 ans, j'ai plus grandi. J'étais à l'école, j'ai fait des études secondaires, j'ai fait le langage des signes. Et je travaille maintenant à la Croix-Rouge depuis que j'ai fini mes études. Comme ça. J'ai fait des animations parce que je crois que les enfants ont besoin de voir les personnes en perspective avec un autre regard, pas avec la peur. Alors, ça m'apporte énormément. C'est une richesse intérieure. Quoi. Sinon, je les ferais. Je pourrais rester dans mon coin chez moi et pas me lever à 6 heures du matin pour être prête à 7 heures.